Et salut à tous! Content de vous retrouver sur la chaîne Retro Bazook. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance décontractée du dimanche. Bricolage, voilà. Un bricolage suite au tuto Retro Bike que j'ai fait précédemment. Je vais dans un premier temps, remonter la manette Dog Bones, que j'avais rétrobrité. Et puis, dans un second temps, j'essaierai de remonter et de réparer par la même occasion le lecteur CD de la PC Engine. Voilà, bon, c'est parti, hein, on y va, tranquillou bilou. Je mets même pas de générique aujourd'hui, c'est la fête du slip. Hop. Alors, j'avais mis toutes les vis et les boutons dans cette deck box. Bon, ce qui serait pas mal, c'est que je récupère aussi la coque. Ça peut être intéressant. J'ai pas les yeux en face des trous. Elle était juste devant moi. Allez, donc on remet les boutons. Ce sont les mêmes, hein. Il n'y a pas réellement d'ordre. Voilà. La croix. Ici. Hop, les contacts. Les boutons start et select. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu. Coton-tige. Et éponge. Oups. Voilà. Voilà. Un petit peu d'éponge magique. Juste histoire d'humidifier. Pas vraiment pour décrasser, hein, là, mais c'est que j'avais ça sous la main. Voilà. Avec les cotons-tiges, on absorbe la crasse. C'est vrai que c'était assez jaune, hein. Même le plastique, même le caoutchouc, je veux dire, était assez jaune, mais lui, c'est plus dû à la crasse qu'à autre chose. Du coup voilà, hein, tranquillou, détendu du slip, on est pas bien là, voilà, hop, on remet la PCB maintenant, est-ce que j'oublie pas un truc? Ah oui non, le caoutchouc est là, ah, je vais le nettoyer aussi. Voilà, ça améliorera peut-être. Elle marchait très bien cette manette. Peut-être que ça va tout petit peu améliorer l'appui des touches. Ou au moins sa longévité. Voilà. Bon, après, pas besoin que ce soit parfait, hein. Ça va rester à l'intérieur de la coque. C'est dans l'autre sens. C'est tout simple, hein, du coup, pour remonter une coque. Alors, c'est tout simple, dis-je. C'est comme ça, voilà. Tac. Ça, bien, ça suit bien le pli du câble. Il a pris le pli, comme on dit, depuis des années. Voilà. Voilà, je vérifie. Les boutons marchent bien. Ok. Il n'y a plus qu'à. Alors, faut que je retrouve les bonnes vis. C'est tout mélangé. Et normalement, c'était les vis. Spécial. Où est-ce qu'elles sont? Peut-être pas. Est-ce que j'aurai que les vis du lecteur CD là? Combien il y en a? On va les compter. 5, 6, 9, 10, 15, 17. 17, il m'a dit qu'il y en avait
Non, elle devrait y être. Elle devrait être là. La 5. Voilà ce que c'est que de mélanger les vis. Alors, je vais vérifier sur l'autre manette. Ok, ok, donc c'est bien des vis cruciformes, hein. C'est pas les vis propriétaires Nintendo qu'il y a sur ces manettes là. Et ce serait donc celle-ci. On dirait bien. Ok, problème résolu. Et mon chat qui m'accompagne dans le bricolage, comme d'hab. Ouais, c'est celle-là, hein. Ça va parfaitement. Bon, je commence toujours par des vis opposées. Une en bas à droite, l'autre en haut à gauche. Voilà, histoire que ça sert de la même façon partout. Bon, après, hein. La fixation, c'est pas le plus important. Bon, elles sont toutes là. Voilà, en attendant, j'ai mis ma Dreamcast à rétro-brighté dans la boîte qui est juste là à côté de moi. Mais j'ai eu le souci qu'elle rentre, elle rentre tout juste parce que ma boîte est assez petite au final. Et voilà, voilà le travail. La manette est remontée. Elle est nickel. Voilà, hein. Encore une fois, je montre la différence avec l'autre qui était celle qui était pas jaunie, elle est devenue la vieille. Voilà. Bon, bah je la passerai sûrement un petit coup Retro White plus tard également. Donc première partie, c'est fait. Maintenant on passe à la partie la plus délicate. Le lecteur CD. Alors regardez-moi ça. J'insiste un petit peu, hein, mais c'est assez surprenant les résultats quand même. Voilà le lecteur qui paraissait complètement jaune dans la boîte, regardez. Regardez la blancheur comparée au reste maintenant. c'est vraiment le monde à l'envers. C'est génial. Allez, du coup, on fait sortir. Donc j'ai mis des PCB à l'intérieur, mais je les ai pas encore fixés. Au lieu que je fasse comme ceci. Voilà. On va essayer de faire ça sans tout casser. Ce serait plutôt pas mal. Alors là, où est-ce qu'il y avait les rondelles? Où est-ce qu'il y avait... où est-ce qu'il y avait... Les boulons? Celui-là... Ouais. Je pense que la rondelle était de ce côté-là. On va les trier. Donc il y en a trois comme ça, je pense que c'est pour le lecteur CD. Avec ça et ça. Après j'avais dit les plus longues, c'était pour la PCB. Il n'y en a qu'une seule qui est très longue en réalité. Donc les argentées, ça doit être pour l'extérieur, je pense. Elle est pas du tout argentée celle-là. Ah oui d'accord. Elle paraît argentée sur les côtés ou c'est l'illusion d'optique ou c'est moi qui bigle. Ah non voilà. Pardon.
C'est pas celle-là. C'est 4 là. Celle-là, ouais, ça doit être. Ça doit être pour l'extérieur. On va les mettre de côté. Pour l'instant. À toi. Oh. Ce qui nous laisse 5 vis. Est-ce que c'est les mêmes? Alors il y en a 4 qui sont identiques et une qui est légèrement plus longue. Je pense que la plus longue ça doit être celle qui fixe la carte mère au reste. Alors, comment ça se présente? Où est le trou pour cette vis là? C'est ce trou là. Hein. Ah non, c'est celui-là. Celui-ci. D'accord, ok. Donc, celui-ci irait là. Il nous reste 4 vis. Une là. Une là. Une là. La quatrième. Ici, ok. Ça doit être ça. J'ai commencé par celle-ci. Je crois que c'est celle que j'avais enlevée en dernier, justement. Pour fixer l'alimentation. 8. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de correspondre. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Faut que je fasse gaffe en remontant. Un bouton, je sais pas très bien où il va. Alors là, j'ai passé un câble. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Je pense pas. De côté. Voilà. Ne pas passer les câbles. Je vais essayer de parler un peu plus fort, j'ai peur qu'on m'entende pas du tout avec la musique en plus. Troisième vis ici. Et quatrième ici. Jusque là, ça me semble pas mal. On a replacé la lime. C'est bien la lime. Non, la lime est là. Alors, je sais pas trop ce que c'est cette carte en fait. Enfin bref. Maintenant, il nous reste ces trois là. Alors, on va mettre les boulons dans les trous. J'ai un peu peur ce câble là. Un peu tordu, mais ça a l'air d'être comme ça. Hein. Un truc qui est soudé dessus. C'est assez bizarre. Hein. J'espère pas avoir à changer ça parce que ça a l'air d'être un peu la galère. Tac. Alors c'est des petites. J'ai pas retrouvé mon petit tournevis aimanté. Du coup, j'en ai pris un autre qui est pas terrible. Allez, rentre s'il te plaît. Ah là là, c'est. J'ai vissé de travers. Évidemment. Du coup, ce truc-là, comment ça marche? Parce que c'est... Ah d'accord, ça se visse pas dessus, juste ça entoure la vis. Ah, je crois que ça y est. Ok.
Ok. Deuxième. Oups. La vie s'est pas aimantée. Toujours pas. On trouve le trou. Ok. Et donc la troisième, ça devait être la rondelle. Allez, s'il te plaît. Ça doit aller un peu plus loin que les autres. Prends cette vis. Allez. Rentre dans ton trou. Petite vis. Et yes. Alors serre un petit peu. Non, ça c'est bien serré déjà. Vérifie que ça tient. En tout cas, ça a l'air. Putain, la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai rarement vu ça auparavant. J'espère que c'est du grand uniquement, hein, parce que si c'est vraiment relié à du positif. Alors le dessus, comme ça. Voilà la lentille, on voit qu'elle est au bon endroit. Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Caméra qui s'est encore arrêtée? Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, est-ce que je peux corriger ça? Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est freeze. Je ne l'avais pas vu. Bon, très bien. Donc ça c'est fait. Du coup maintenant, avant de remonter le reste, je vais vous expliquer le problème. Enfin, un des problèmes, j'espère que c'est le seul qu'avait ce lecteur CD. Il s'agissait d'un problème somme toute commun, d'un problème d'engrenage et de vieillesse. Si vous regardez ici, je vais m'approcher au maximum. Est-ce qu'on voit bien là? Par ici peut-être. Voilà, là il y a un engrenage, j'attends le focus. Donc là il y a un engrenage, là il y en a un deuxième, et initialement au milieu, il y en avait un ici. Sauf que celui-là, il était tout joli, et en fait, le CD tournait pas. Le lecteur ne tournait pas du tout. Et du coup quand j'ai démonté la console et que j'ai essayé un peu de faire tourner les engrenages, j'ai vu que celui-là s'effritait complètement, il tombait en poussière littéralement. Et après avoir fait quelques recherches, j'ai vu que c'était un problème assez commun sur ces vieilles bécanes. Et qu'il fallait changer cet engrenage-là. Donc j'en ai commandé un. J'en ai commandé un fabriqué au Japon. C'est pas un engrenage officiel hein, de la console, c'est un engrenage de remplacement. Mais normalement, il fera bien l'affaire. Regardez, c'est marqué hein, là. PC Engine Middle Gear. Ouais, on voit rien du tout. Évidemment, on voit rien du tout. Voilà, enfin bref. Je vais essayer de l'insérer. Par contre, ouais, il y avait un. Le truc délicat, c'est qu'il y a un petit bout de plastique normalement. Qui sert à bloquer l'engrenage. J'espère pouvoir le retirer sans le casser. Alors déjà je vais regarder comment se présente l'engrenage. Il devrait normalement être dans ce petit bout d'aluminium. On dirait une petite couverture de survie. C'est argenté à l'extérieur, blanc à l'intérieur.
doit protéger de la chaleur. Donc c'est comme à leur habitude, hein, les Japonais qui protègent très très bien leur matériel pendant les envois postaux. Et ça c'est plutôt cool. Ils font toujours preuve d'un grand professionnalisme, je trouve, lorsqu'il s'agit du commerce. Bon. C'est tellement bien emballé que j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais devoir chercher des ciseaux. Ah, j'en reviens. Que tard, hein. On peut y aller par 36 chemins. Même comme ça, hein, c'est emmitouflé. Voilà, je sens arriver. Le voilà, donc il est vraiment très petit, c'est pour ça. Hein. Donc voilà, je vais vous le montrer, en essayant de ne pas le perdre. C'est ce truc-là. Vous verrez peut-être pas. Ah, la caméra, elle a du mal à focus. En gros, voilà, c'est ce truc là, cet engrenage là, que je vais devoir ajouter. Dans le bon sens d'ailleurs, hein, ça serait pas mal, donc c'est comme ceci, ouais. Ça me paraît assez logique. Enfin voilà, il y a ce petit bout de plastique qui embête, qui gêne. J'ai pas envie de le casser parce qu'il faut que je le remette après. Je trouve un moyen. De le sortir. Bon, écoutez, une petite pause. Je vais aller chercher des pinces. Donc voilà, de retour. J'ai pris toute une panoplie de pinces pour essayer de sortir ce petit bout de plastique. Ça m'a l'air délicat. Et apparemment, il faut forcer pas mal quand même pour le faire sortir. Essayez de vous montrer. En même temps, c'est pas évident. Ah là là, je crois que je l'ai cassé. Un petit peu fendu là. J'espère que ça va aller quand même. Voilà, j'ai mis l'engrenage. Si vous voyez. Et là, le tout tourne très bien. Quand je fais tourner avec mon doigt, je vois bien les trois engrenages qui s'activent. Donc il faut que je remette un petit bout. C'est vraiment microscopique.
Yes. Ça y est. J'ai remis en place. Ouf. Voilà. Bon, je vais essayer cette partie très certainement, hein, mais... Je sais pas si vous pouvez voir là. Et ça y est, le petit rond noir est bien mis autour de... Autour de l'engrenage. Donc c'est le moment de refermer le reste. Allez, gars. Quelle histoire. Ça, ça va où? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faut que je remette les deux câbles ici. Et ce truc là, je sais plus. J'ai pas le souvenir d'avoir enlevé quelque chose de ce côté. Bon, du coup, finalement, j'ai remonté le petit câble qui est les deux câbles là. Je sais pas où ils allaient. J'ai fini par trouver, mais c'était tellement chiant à remonter que j'ai préféré le faire hors caméra. Vraiment, ça m'a pris une plombe. Tellement que j'ai arrêté après, je suis sorti et tout. Là maintenant, c'est le soir. Et j'ai réussi à le remonter. Donc, c'est en fait. Qu'est-ce que c'est que ce petit câble là qui m'embêtait? Ben, c'est un câble qui va venir se coller à l'ouverture pour vérifier tout simplement si le boîtier est fermé ou non. Si le boîtier est fermé, les deux câbles font contact. S'il est ouvert, les deux câbles ne font plus contact. Voilà. Donc maintenant c'est bon, j'ai revissé, donc cette partie là c'est fait. Il me reste uniquement à... Qu'est-ce qu'il reste à faire? À rebrancher donc les nappes. Ça, il paraît que c'est pas hyper simple non plus. Et puis après, ouais, ça sera juste 4-5 vis, plus les tests. Alors c'est parti pour les nappes. J'espère vraiment pouvoir arriver à quelque chose. Allez. Et heureusement que j'ai des pinces, hein, parce que sans les pinces, ça aurait été vraiment très très complexe. Déjà que ça l'était. Il faut arriver à rentrer les nappes sans pincer la nappe. Nappe qui est déjà bien tordue de base. Ça a l'air pas mal là. Allez, la dernière qui est ici. Viens ici, ma petite. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Alors là, peut-être qu'il faut faire pareil. Non, ça a l'air bon. Ah, mais j'aurais dû sortir le truc. Non, j'ai pas vu. Ça a l'air de te dire... Là, il faut insérer et puis après, clipser, voilà. Là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon pour ce qui est des nappes. Faut que j'arrive à les positionner à l'endroit où elles seront en sécurité. Là, ça m'a l'air pas mal. Il y a un truc qui m'embête quand même. Non, ça a l'air bon. Alors, on va tester comme ça. Je vais juste remettre cette vis là pour bien que le tout tienne. Et après, avant de remettre les quatre dernières,
Je ferai un premier test. Non, elle est pas là, la vis. Elle est ici. Je crois, hein. Non, c'est pas ça. Elle est là, là. Ça, c'est les gadgets vis de l'extérieur. C'est celle-là. Il se met à l'intérieur pour tenir le tout. Et qui est un peu plus long que les autres. Voilà. Reste à récupérer la coque. Alors je l'insère. Je branche. Est-ce que ça s'allume déjà? Ça s'allume. Je sens le CD qui tourne. Regardez. Alors attends, je recommence. Et là, vous voyez, le CD tourne. Donc c'est bien réparé. Maintenant, il reste sur la track 0. Il faudrait que j'essaye avec un CD audio. On pense toujours avoir fini de réparer ces choses-là. On s'aperçoit qu'il y a toujours d'autres trucs à faire. Et c'est un peu la galère, hein, ce CD-là. On va tenter la prise jack. Je vais mettre un CD de Daft Punk. On peut rayer aussi, hein, ceci dit. Ça marche, ça marche. J'ai du son, les amis. Incroyable. Je sais pas si vous pourrez l'entendre là, mais ça marche. Et si j'essaye de changer de piste, ça marche aussi. Incroyable. Le CD est réparé. Écoutez, voilà, j'écoute actuellement la musique des Daft Punk. Incroyable, dès que je touche en fait la paroi, dès que je rapproche mes doigts des côtés, ça sature. Pour une raison que j'ignore complètement. C'est trop marrant. Je touche même pas, hein. J'effleure la coque de mon doigt. Et ça se met à saturer. Je vais me renseigner. En tout cas, il est fonctionnel, regardez. Je suis actuellement sur la piste 3. Le CD tourne. Donc, voilà. J'avais un lecteur CD-ROM 2 complètement jauni et qui ne marchait plus. Et voilà, à la fin du week-end, je me retrouve avec ce joli boîtier quasi neuf qui fonctionne. Il y a encore des interférences, mais je vais essayer de voir d'où ça vient. Et voilà, peut-être que je vais changer les condensateurs, je verrai. Du coup, voilà, il ne reste plus qu'à remonter les dernières vis. Bon, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Nickel. Presque nickel, parce que vous voyez que j'ai pas rétro-bright le volume. Et on voit à quel point la console était jaune. Toute la console était de cette couleur-là avant l'opération. Voilà, je vais tourner. Voilà, si je tourne, ça se voit plus trop. Bon, voilà. Je vais terminer là pour cette petite série de live bricolage. Pour le moment. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bonne soirée.